Alors, moi, je m'appelle Ludivine Dufresne. J'ai rejoint l'entreprise de mon mari il y a maintenant 4 ans en tant qu'assistante de direction. Donc, c'est l'entreprise Judesol Peinture avec Fabienne, Mélène et Lolita. Et moi, donc, on est 4 femmes au sein de l'entreprise sur un effectif de 10. Je m'appelle Fabienne Geoffroy, j'ai 53 ans et je suis peintre en bâtiment depuis 4 ans. Donc, je m'appelle Lolita Musto, j'ai 29 ans. J'ai commencé ma reconversion professionnelle il y a à peu près 2 ans. Et là, du coup, je suis sortie en novembre et c'est ma première entreprise depuis. Alors, je m'appelle Mélène de Crozan. Donc, ça fait un an et demi que je suis dans le métier. Donc, j'ai fait une formation à l'AFPA pendant 10 mois. Et avant ça, je travaillais un petit peu avec mon beau-père dans le bâtiment, du coup. Donc, j'ai fait un petit peu tout, carrelage, faïence, pose de sol, peinture. Et en fait, ça m'a permis de vraiment découvrir le métier. Bah, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Sur le métier que je faisais avant ne plaisait plus. Donc, avant, j'étais aide à domicile et j'en avais un peu marre. Donc voilà, comme j'aimais bien bricoler, bah, j'ai choisi la peinture. Et j'ai fait une formation de 6 mois à l'ARPA, Mont-Saint-Notre-Dame. J'étais manager chez McDonald's avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par l'AFPA pendant, enfin d'abord en RAN Pro du bâtiment A au lycée Armand Malaise pendant quelques mois pour connaître un peu plus le métier. Et après, je suis partie à l'AFPA pendant environ 10 mois. 10 mois, et on a passé le titre professionnel de peintre en bâtiment. En général, nous, dans l'entreprise, les hommes avec qui on travaille sont assez compréhensifs et ils acceptent la présence de femmes dans l'entreprise. Ils sont même des fois un peu, on va dire, prévenants. Personnellement, j'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours été très bien intégrée. Et puis dans la génération de maintenant, au contraire, je pense que même ils sont contents d'intégrer des femmes. Oui, voilà, les mentalités ont changé, c'est plus comme avant, donc ça se passe plutôt très bien. Mais les femmes, elles apportent un travail beaucoup plus fini sur ce qui est, surtout tout ce qui est particulier, peinture décorative. Sur tout ce qui est street déco, papier peint panoramique, enfin tous, elles ont la touche déco que les hommes n'ont pas forcément, qui reste dans le classique. Et même au niveau de nos clientèles, je pense que les femmes, elles passent de mieux en mieux. On est plus minutieuses. C'est vrai qu'on est beaucoup, au niveau des finitions, on est plus vraiment finition. Je pense que c'est la volonté qui fait. C'est pas plus dur qu'un autre métier. Si t'aimes ton métier, c'est pas plus dur qu'un autre. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est pas plus dur qu'un autre. Après, oui, il y a des charges à porter, c'est un peu plus, c'est physique, mais c'est pas non plus si compliqué que ça, quoi. Mais il suffit de savoir s'adapter aux conditions de travail, aux matériaux et tout ça, quoi. Enfin, on dit que c'est un monde d'hommes, mais alors que pas du tout. Les femmes, elles ont leur place. Elles sont capables de faire autant, voire mieux que certains hommes. Elles ont la volonté. Et puis, en général, les femmes qui sont avec nous, c'est celles qui l'ont vraiment choisie. Elles ne sont pas là par dépit. Il faut de la volonté. Sinon, comme je vous dis, ça reste un métier. Après, c'est sûr, on dit le bâtiment, c'est pour les hommes. Parce que voilà, il faut porter des charges. Mais si on s'en donne les moyens, on y arrive. Autant se lancer. C'est un beau métier, on travaille de ses mains, on a la satisfaction de voir du vieux ou même du neuf, du placo brut, à ce qu'on peut faire à la fin. C'est tellement satisfaisant, on est tellement fiers de travailler avec ses mains, enfin, il n'y a aucun a priori à avoir. Mais après, il faut qu'elle fonce, il ne faut pas hésiter. Si vraiment le bâtiment, ça leur plaît, il faut foncer, quoi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des hommes ou autres, si quand on veut réussir quelque chose, on le fait, on ne se pose vraiment pas la question. Alors moi, je joue au foot et souvent je disais « Mesdames, franchissez la barrière ». Et maintenant, j'ai envie de leur dire « Mesdames, prenez le pinceau, vous avez votre place, le monde du travail dans le bâtiment vous est ouvert, vous pouvez tous nous rejoindre, nous, chez Judesol Peinture et dans bien d'autres entreprises. J'en connais pas mal qui prennent du personnel féminin et je pense que le bâtiment, pour les femmes, est un métier d'avenir ».